Hello à tous! Alors je me présente, je m'appelle Paola, j'ai 23 ans. Je referai une autre vidéo pour parler plus en profondeur de la formation. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto de comment réaménager un petit espace de upcycling, récupération d'objets, créativité. Voilà, donc c'est sous la mezzanine qu'on va réaménager l'espace. Pour réaliser cette mini transformation, tu vas avoir besoin de matériel, mais vraiment le strict minimum. Il te faudra du coup une planche, 4 équerres au plus, de quoi mesurer, un niveau si possible, de quoi percer, de quoi visser, une scie pour couper, donc scie sauteuse c'est l'idéal. Et ensuite, si tu veux apporter une touche déco, des éléments décoratifs, des plantes, tu amènes ce que tu veux dans ton espace. Donc c'est ici que ça va se passer. J'ai récupéré une ancienne porte de cuisine, donc j'ai juste à enlever les 3 charnières qui sont déjà sur la porte avec mon petit assistant. J'utilise la visseuse pour dévisser tout ça, mais vous pouvez très bien faire ça avec un tournevis. Pour mesurer, du coup, j'ai un mètre, une grande règle et un crayon. Ça me suffit largement pour faire mes petits tracés. Je vais me servir de verre et de bol pour pouvoir utiliser les arrondis et pouvoir tracer correctement sur ma planche. Comme vous pouvez le voir, ça fait un tracé assez net et c'est plutôt simple comme technique. Du coup, maintenant, je passe à la découpe. Je vais faire ça à l'aide de la scie sauteuse. C'est beaucoup plus rapide. On obtient une découpe assez lisse et le résultat est sympa. Un petit coup de ponçage sur les arêtes. Voilà, donc j'ai vidé une partie de la pièce et maintenant, on va pouvoir installer le petit bureau. Ici, j'ai récupéré 4 équerres. Elles sont pas pareilles, mais c'est pas très grave parce qu'on les verra pas. Alors, du coup, on va fixer tout ça sur le montant de la porte qui est en bois. Je vais d'abord faire mes repères avant de percer. Une fois mes repères tracés, je peux venir avec la perceuse faire mes petits trous avant de venir visser l'équerre. C'est assez rapide et assez simple, vous verrez. Voilà, voilà, le bureau est fixé, j'ai mis 4 équerres. J'aime beaucoup le rendu, c'est pas du tout fini. Après la découpe, vous allez forcément avoir le champ à l'état brut, donc il faudra un petit coup de pinceau pour camoufler tout ça, sauf si ça vous plaît à l'état brut. Comme c'est un bureau d'assez petite taille, pour l'éclairage, j'ai voulu quelque chose que je puisse fixer au mur afin que ça prenne le moins de place possible. Donc j'ai opté pour une lampe IKEA à moins de 10 euros et elle pourra s'orienter un peu partout dans la pièce, c'est ça qui est top. J'ai choisi d'habiller la pièce avec une paire de rideaux que j'ai trouvé sur H&M Home à moins de 30 euros. Donc ils sont couleur beige avec des petits pois noirs. J'aime beaucoup. Voilà le rendu, c'est assez sympa. Ils sont un peu longs, je vais devoir les raccourcir à la machine, mais c'est pas très grave. Ça habille un petit peu la pièce, c'est sympa et ça ramène un peu de chaleur également. Et pour la touche finale, du coup, j'apporte un petit module de canapé en velours beige qui viendra amener ce côté cocooning et cet espace détente que je voulais sous la mezzanine. Et franchement, j'adore le résultat. J'ai également accroché une toile que j'avais faite avec de l'enduit sur le mur afin d'amener une petite touche déco, mais pas trop kitsch non plus. Un mini plaid assorti au rideau, pourquoi pas, je l'ai choisi aussi sur le site H&M Home. Ça fait l'affaire et ça suit ensemble. Voilà, voilà, une petite pièce rénovée en moins d'une journée avec les moyens du bord. À la fois espace détente et espace de travail, c'est vraiment ce que je recherchais. On adore. Voilà, voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu le souhaites, tu peux t'abonner à mon compte Instagram, au compte Instagram du Centre Européen de Formation. Et on se retrouve aussi pour des nouveaux tutos. Et si tu as envie que je partage un truc en particulier ou que je filme quelque chose, une rénovation, tu peux me le dire dans les commentaires ou sur mon Instagram, je répondrai. À bientôt !